tika e Yawe fongola lola basali bazunguya Yawe fongola lola makambwe bomana e Yawe fongola lola ye Beta maboko wana makasi Na ngambwa banguna na yo ezo bomo na bakake Lobite lelo e Yawe e Lobite siko yo Soyez bénis au nom de Jésus. Be blessed in Jesus' name. Amen. Amen. Nous sommes aujourd'hui à notre premier chapitre du livre. We have reached today the first chapter of the book. Jésus-Christ, champion des champions. Jesus Christ, champion of all champions. Amen. 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 Dans quelques mois ou bien dans un an. In a couple of months or in a year. Si Dieu nous porte vie. If God gives us life. Nous allons faire sortir l'intimité avec Dieu. We shall bring out. Ça va être un autre livre d'intimité avec Dieu. Intimacy with God. Comment vivre avec Jésus comme ami intime? How to live with Jesus as your intimate friend. Tant que nous sommes vivants. As long as we're still alive. Nous allons toujours commencer à écrire. We shall carry on writing. Amen, amen. Amen. Même si nous ne serons pas là. Even when we're not here. Les gens vont nous lire à partir de ces. Des livres que nous allons laisser sur People shall read us through the book that we shall leave in this world. Amen, amen. Amen. Nous allons voir un chapitre très important. We're going to look at a very important chapter. Les champions des champions et les bons bergers. Champion of all champions is the great shepherd. Amen, amen. Amen. Nous lisons Jean 10, verset 10. John 10, verse 10. Il nous dit ceci, bien aimé. Amen, amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle l'ait même avec abondance. The thief come not but for steal and to kill and to destroy. I am come that may have life and that they may have it more abundantly. Écoutez ce que j'ai écrit bien aimé. Concernant les bons bergers. Concerning the good shepherd. Je demande à tout le monde de lire la Bible dans vos appareils si vous en avez que lire ou bien qu'écouter vos autre chose que ça. Read the Bible on your phone if you have the app so you can follow what we do. Et tout le monde doit me suivre. Everybody has to follow. Ne permettons pas à Satan de nous voler la vie abondante donnée par notre bon berger. Let's not give permission to Satan to steal our life abundantly that's been given to us by the good shepherd. Amen, amen. Amen. L'ennemi Satan, the enemy Satan, vient dans nos vies pour nous égorger, nous voler et nous tuer. He comes to our life to steal, to Faites kill, attention, and to destroy. Amen, amen. Amen. Faites attention, bien-aimés, c'est très important. Be careful, my beloved, it's very Même important. Au moment où je suis en train de vous Even at this moment, as I'm preaching, c'est lui qui est en train de vous mettre, de vous distraire. The one that's distracting you. Pour ne pas m'écouter. For you not to listen. C'est l'ennemi Satan. It's the enemy Satan. Lui quand il vient dans la vie de l'homme. When he comes in the life of man. C'est pour le dérober. It's for him to destroy. C'est pour le détruire. It's for him to destroy. C'est pour mettre l'homme. Ou bien la femme mal à l'aise. It's for him to basically put you on easy. Amen, amen. Amen. Dans ce verset, in this verse, le Seigneur dit, the Lord says, le voleur ne vient que pour dérober et corriger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait avec abondance. He says that the thief only comes to steal, to kill, and to destroy, but I came to give life and that you have that life abundantly. Bien aimé, je vais vous écrire, vous lire ce que j'ai écrit. My beloved, I shall read to you what I wrote. Ce que j'ai écrit, bien aimé. What I wrote, my beloved. Ça doit vous aider. Should give you, à mieux comprendre. To understand better. L'utilité de notre bon berger. The use of our good shepherd. L'utilité de Jésus Christ dans notre vie. The use of Jesus Christ in my life. Amen, amen. Amen. Le Seigneur ne veut pas que nous ayons un tout petit ruisseau. The Lord does not want us to
The Lord does not want us to have a little hole. Mais il veut que ça coule, que sa vie coule à nous avec abondance. He doesn't want us to have a little hole of life, but he wants his life to fill in us abundantly. Jésus veut que sa vie puisse couler dans notre vie avec abondance. He wants his life to fill in us abundantly. Amen. Le voleur, c'est le diable. The thief is Satan. Il est venu. He came. Avec trois verbes. With three verbs. Voler. Steal. Égorger. Destroy. Et détruire. Amen. To kill and destroy. Amen, amen. Amen. Quand le voleur vient entrer dans votre maison. When the thief comes to your house. Amen, amen. Amen. C'est pour te voler. It's to steal. S'il va te trouver éveillant. And if he sees you awake. Ou bien veillant. If he sees you awake. Il va t'égorger. He will kill you. Amen, amen. Amen. Que nous, c'est ça que nous voyons maintenant au Congo, le système de kata-kata. That's what you see a lot of time in Congo. Couper. Or just cutting. Amen, amen. That has been amené par nos voisins. That has been brought by our neighbors. Et après, pour que l'ennemi s'attend, diable, je le voleur, avant qu'il puisse quitter ta maison, il va te détruire ou bien te tuer, te laisser KO. And then before the enemy Satan leaves your life, he needs to destroy you. Mais Jésus Christ quand il entre dans votre maison. But Jesus Christ, once he enters your house, faites attention aux enfants. C'est pour vous changer. It's to change you. C'est pour vous changer. It's to change you. Vous transformer. To transform you. Les enfants sont en train de jouer ça entre la race, s'il vous plaît. Amen, amen. Amen. Chaque fois qu'auparavant qu'il y avait quelque chose que tu n'as plus, c'est le diable qui est venu te le voler. Before, when you have something that you no longer have, it's the devil who came to steal it. Des fois, tu étais quelqu'un qui était très intelligent. Maybe you were someone that was very intelligent. Quand tu étais à l'école primaire. When you were in primary school. Très intelligent. Very intelligent. Au secondaire, ou bien en secondaire, très intelligent. And in secondary school, you were very smart. Arrivé à l'université. You've now reached university. Cadavre. Amen. C'est fini. It's finished. Tu n'es plus intelligent. You're no longer intelligent. Tu n'es plus celui que l'on avait connu des années. You're not the one that they knew years ago. Des années passées. From years ago. Les gens qui t'ont connu que tu étais très intelligent. Those people who feared because you were very smart. À s'approchant vers toi. By approaching you. Ils te trouvent vide. They just find you empty. Un homme sans sagesse. A man without wisdom. Un homme sans intelligence. A man without intelligence. C'est puisque l'ennemi s'appelle être entré en vous. Because the enemy Satan has entered. Il a volé quelque chose de très important. He has stolen something very important. Qui te donnait la valeur de l'homme. That gave you the value of a man. Qui te donnait la valeur. That gave you the value of a man. Qui te donnait l'importance. That gave you the importance. Amen, amen. Amen. Peut-être tu l'as laissé faire par ta négligence. Maybe you let that happen by neglecting because you neglected yourself. Il est venu te prendre ce que Jésus t'avait donné. He came to take what Jesus gave you. Ou alors. Or. Il est venu t'empêcher de toucher ce que Jésus veut te donner. Or he came to stop you from touching what God wants to give you. Amen, amen. Amen. Tout ça, c'est je parle de l'importance de Jésus dans la vie des hommes. That's what I talk about, the importance of Jesus in the life of men. Beaucoup de gens quand ils voient cette livre trop grand pour s'aligner, mais ça c'est trop, on ne sait pas lire. The thickness of this book, this says to you. Mais quand vous prenez le temps de lire chapitre par chapitre, when you take time to read chapter by chapter, and demander l'aide du Saint-Esprit, by asking the help of the Holy Spirit, tu vas comprendre que c'est un livre riche. You have to understand that it's a rich book. Amen, amen. Amen. Le diable veut t'empêcher de prendre et de recevoir ce que Jésus veut te donner. The devil wants to stop you from receiving what Jesus wants to give you. C'est-à-dire sa vie. Which means his life abundantly. Amen, amen. Amen. Bien, même dans les familles. My beloved, even in families. Où vous voyez des enfants d'aigles, de fous joyeux. When you see there's some children, mentally ill children. Quand vous regardez cette vie. When you see that life. De la femme qui est devenue d'aigles, the children who are mentally ill. Regardez la personne qui est devenue d'aigles. Mentally ill at the age of 20. Chacun fait sa vie depuis l'âge de l'école primaire jusqu'au
à ce moment-là. You should take the lad from primary to them. Il était un enfant qui était très intelligent. A public boy child that was very intelligent. Qui devait même prendre la responsabilité de sa famille. That even that could have taken the responsibility of. Mais l'ennemi Satan est venu entrer dans cette famille. The enemy Satan entered the family. Pour détruire cet enfant. To destroy that child. Amen. 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 Qui était le monument de la famille. Was the mom of the family. Qui était important pour la famille. Who was very important of the family. Satan est entré comment? Had Satan entered? Il est entré par ses parents. Entered by his parents. À les faisant entrer peut-être dans les magies. By making them go into magic. Et là-bas dans les magies. And then from there. Les magiciens tellement que ce sont des gens qui sont veillés dans leur façon ou bien qui voient plus loin dans leur façon de voir. Things in their own way of being able to see. Ils ont obligé à ce monsieur-là aux parents de donner cet enfant-là. They have obliged those parents to just give them that child. Que cet enfant-là puisse leur servir. So that child can serve them. Dans le monde. In the world. Amen, amen. Amen. C'est qu'ils devront travailler avec l'intelligence de cet enfant. They have to work with the intelligence of that child. Ils ont pris l'intelligence de cet enfant. They took the intelligence of that child. Pour les faire devenir fous. To make him become crazy. Ou bien d'abord. Mentally ill. La nuit. That night. Dernier ministère là. In the ministry there. Il est quelqu'un de très important. Someone that's very important. Mais en journée. But during the day. Il est fou. He's mentally ill. On l'a volé quelque chose très important. They have stolen something very important in his life. Tu es devant toi des personnes. In front of you, there's two people. Tu as devant toi deux personnes bien-aimées. You have in front of you two people. Le voleur ou le berger. The thief or the shepherd. Le voleur, nous savons qu'il est celui qui pêche dès le commencement. We know that the thief is the one that sins from the beginning. Le diable. Satan. C'est celui qui passe ses mensonges. It's the one who takes his life. A volé la vie. By stealing the life Adam et Eve. Of Adam and Eve. Dans les jardins d'Eden. In the Garden of Eden. Celui qui a volé la paix et la joie. The one that stole the peace and joy. Dans le cœur de nos premiers parents. In the heart of our first parents. Amen, amen. Amen. Toujours le même voleur. Still the same thing. Le même ennemi. Still the same enemy. Le diable. The devil. C'est celui qui a volé la vie d'Adam et Eve dans les jardins d'Eden. He's the one who stole Adam and Eve's life. Il les a trompés. To tell them this. Vous savez. Do you know? Votre Dieu là. That your God. Est trop mal. He's very small. Puisque vous savez que les jours vous allez manger l'arbre qui est au milieu du jardin. Because you know the day you eat from the tree that's in the middle of the garden. Mm-hmm. Les vos yeux vont s'ouvrir. Your eyes will open. Vous allez voir clair. You will see clearly. C'est pour ça qu'il vous a défendu de ne pas toucher à cet arbre. That's why he told you not to touch the tree. Mais moi je vous dis. But I'm telling you. Quand vous allez toucher à cet arbre. When you touch this tree, vous deviendrez des grands hommes. You become big people. Amen, amen. L'ennemi quand il vient dans la vie de l'homme, il vient avec une stratégie, des bonnes paroles, good words, pour te faire voir qui c'est lui qui est important. To make you see that he's important. Et quand tu l'écoutes, tu tombes sur son jeu, fini, tu vas regretter demain. Amen, amen. Amen. Nous continuons. Let's carry on. Les hommes avaient été créés parfaits par Dieu. Men were created perfectly by God. Avec la santé. With health. La vie éternelle. Eternal life. Ils ne devaient jamais mourir. They were never supposed to die. Adam et Ève. Adam and Eve. Avaient la paix dans leur cœur. They had peace in their heart. Ils ne savaient pas que, ils ne savaient pas ce qu'était le péché. They did not know what sin were. Ils avaient la communion avec Dieu. They had a communion with God. Dans les jardins d'Eden. In the Garden of Eden. Et le voleur est venu. Came pour enlever tout cela. To remove everything. Amen, amen. Amen. Regardez maintenant les résultats dans le monde. Can you see now the result in the world? Le monde qui nous entoure. The world that's amongst us. Le péché. Sins. La maladie. Illness. La mort. Death. Les ténèbres. The darkness. Tout est le résultat de l'action du diable qui est venu voler aux hommes ce que Dieu avait donné. All is the results of the devil that came to steal from men what God had given. Dieu ne voulait pas qu'au début. God didn't want at the beginning. Que les hommes soient malades. For men to be sick. Qu'ils soient tristes.
For them to be sad. Malheureux. For them to be sad. Liés par toutes sortes de liens. Or to be taken by any sort of curse. Il ne voulait pas que il voulait que nous soyons tous dans la paix. He wanted us all to be in peace. Dans sa joie. In his joy. Dans sa santé. In good health. Dans la vie éternelle. And have eternal life. Amen, amen. Amen. Bien-aimé. My beloved. Dieu. God. En créant Adam et Ève. By creating Adam and Eve. C'était pour qu'ils puissent vivre dans la paix. It was for us to live in peace. Qu'ils puissent vivre leur vie heureuse. It was for us to live a joyful life. Amen. Mais il n'a pas créé Adam et Ève pour qu'ils souffrir. For us to suffer. Et il y a des liens. To have a curse des familles. Of a family. Aujourd'hui, bien-aimé, à cause de la présence de l'ennemi Satan dans nos vies, because of the presence of the devil in our life, dans nos familles, nous avons des liens. In our family, we have all these blockages. Que Dieu n'avait pas créé. That God never created. La maladie. We have sickness. Que tes grands-pères avaient souffert. Grandparents suffered of. Avec laquelle ils sont morts. Where they died from. Est devenue votre maladie. Now has become your illness. Et demain il va devenir aussi la maladie de tes enfants. And tomorrow will also become the illness of your. Des liens. Des liens. All of that is cursed. Que Dieu n'a pas créé. That God didn't create. Mais que l'ennemi Satan a créé. The enemy Satan. À partir de nos arrière-grands-parents. From our grandparents. Amen, amen. Amen. C'est pour ça que nous. That's why Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité de chasser cela cast away dans nos vies all of those things au nom de Jésus Christ. Amen. Ils vont partir. They will go. Amen, amen. Amen. Le diable est venu pour tout voler. The devil came to steal. Il est venu étourger. He came to kill. Couper les coups. He came to pour vider de notre sang. To drink our blood et nous donner la mort et détruire nos vies. And to give us death and destroy our lives. Nos santé, la paix. Our health and peace. Le cœur, le foyer, tout détruit. Our hearts, our homes, destroy everything. Amen, amen. Amen. Il est venu nous sucer le sang. He came to suck our blood. Vous savez, dans notre famille, you see in our families, vous verrez des enfants qui souffrent. You see children who suffer. Qui sont malades. You're sick. Comme la maladie qu'ils avaient, dit une dame qu'ils avaient prié la fois dernière. Elle vient de Haïti. C'est une Haïtienne. Amen, amen. Amen. Cette jeune fille est infirmière. She is a nurse. Elle a une maladie compliquée. She has a very complicated illness. Elle mangeait. She would eat. Et quand elle mangeait, elle devait passer pour aller vomir. She'll throw up. Amen, amen. Amen. Tout ce qu'elle mangeait, elle vomissait. Everything she ate, she threw up. Elle avait une mauvaise santé. She had a really bad health. Très maigre. Very, very skinny. Quand elle m'a dit dans l'internet. When she found me in the internet. Nous avons parlé avec. We spoke. Elle a dit, mon apôtre, mon problème, c'est la santé. She said, apostle, my problem is health. Je travaille. I work. Et quand j'ai pris les photos. Comment je suis. Pictures, amen, amen. Amen. Babo Milayi. Long arms. Oh, Milayi. Oh, Milayi. Long fingers. Vous êtes conda. Very slim. Very slim. Comme une squelette. Just like a skeleton. Amen, amen. Amen. Moi, je dis seulement une chose, que mon Dieu est le pourvoyeur. I just told you one thing that my God. Nous avons prié avec cette femme. Cette jeune fille. We prayed with this young lady. Nous avons prié avec. Je commençais à l'envoyer de l'enseignement. I used to send her some preaching some words. Amen, amen. Amen. Bah, après, elle a témoigné. And then after she gave testimony. Ah, elle a envoyé des photos. Regarde-moi. She sent pictures to say. Ce que votre Dieu a fait. What your God has done. Dans ma vie. In my life. Par rapport à avant. Compared to before. Et maintenant. And now. Amen, amen. Amen. Dieu a apporté un changement total dans sa vie. Her total change. La santé est devenue meilleure. Good elle est devenue maintenant une fille, une femme. She's not a woman. Même son visage. Even her face. Est transformée. Has transformed. À cause de la prière. Amen. Puisque peut-être c'était des liens. Because maybe it was some cursing. Ou bien il y avait quelque chose satanique qui venait de transformer quelque chose.
any illnesses from the dark side coming from her family. Mais avec la puissance du nom de Jésus. But with the power of the name of Jesus. Cette dame a retrouvé sa santé et le travail sans problème. This lady has regained her health and she works. Amen, amen. Amen. Il faut dire qu'il parvient souvent à se faire parce qu'il y a des personnes qui ne connaissaient pas les bons bergers et même les enfants du Seigneur, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas assez les bons bergers. You should know that there is an end because there's a lot of children, there's a lot of people who do not know the good shepherd, and even the children of the Lord do not know. A lot of them do not know the good shepherd. Amen, amen. Amen. Même parmi les enfants de Dieu, les chrétiens, even amongst the children of God, the Christians, ils ne connaissent pas très bien leur Dieu. They do not know. They do not know well. They do not know well the God. Même sa puissance. Even his power. Même son autorité. Even his authority. Ils ne connaissent pas ça. They do not know that. Amen, amen. Amen. Et ils se laissent voler. And they let themselves dérober. They let themselves be égorger. Steal. Et détruire. Destroy. Kill. Par le Satan. By enemy Satan. Le Seigneur Jésus est au milieu de nous. The Lord Jesus is amongst us. Amen. Là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Where there's two or three united in my name, I am among them. Matthieu 18, verset 7. Matthew 18, verse 20. Amen. 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 De s'appliquer les mains, de voir quand même meilleur aussi. Dans la Bible, c'est une très bonne chose. Matthew 18, verse 20. C'est Matthieu 18, verset 20. For where there's two or three gathered together in my name, there I am in the midst of them. Amen, amen. Amen. Là, dans l'endroit où deux personnes ou trois seront unies, seront en commun, seront en communion pour moi et à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen, amen. Amen. Partout où le nom de Jésus est évoqué par deux ou trois personnes, wherever there's the name of Jesus called by two or three people, la parole de Dieu déclare qu'il est là au milieu d'eux. The word of God says that he is there amongst them. Amen, amen. Amen. Je ne vais pas vous prêcher un Jésus mort ou un Jésus à 700 000 km au loin. I do not want to preach you about a Jesus dead or a Jesus that is 500 kilometers far. Ou bien qu'il s'occupe de ses affaires et qu'il ne s'occupe pas de nous. Or who minds his own thing and don't care about us. Amen, amen. Amen. Je ne vais pas vous prêcher Jésus-Christ qui est aux États-Unis. I'm not going to preach you Jesus Christ that's in the United States. Qui est occupé. That is busy. Qui s'occupe de ses affaires propres. That just minds his own affairs. Mais je vous prêche Jésus-Christ qui est présent. Omnipresent, omnipotent, et omniscient. Amen. Amen, amen. C'est lui qui est présent. That's the one that's present. Là où son nom est évoqué. When his name is called. C'est celui-là que je vous apprécie, je vous prie. C'est après-midi. That's the Jesus I'm preaching you. Amen, amen. Amen. Jésus est au milieu de nous. Jesus is among us. Il faut que nos cœurs le sachent. Our hearts need to know. Jésus est un bon berger. Jesus is a good shepherd. Qui est venu donner la vie à ses brebis et leur rendre tout ce que le diable leur avait pris. He came to give a good life to his. He came to give a good life to his shepherds and give them back everything that the devil has taken. Amen, amen. Amen. La présence de Jésus parmi nous. The presence of Jesus amongst us. C'est pour nous rendre la vie heureuse. Give us joyful life. Que l'ennemi Satan nous avait volé. That the enemy Satan had taken. Amen, amen. Amen. La présence de Jésus dans notre vie. The presence of Jesus in our life. C'est pour que nous puissions récupérer. It's for us to get to regain. Notre paix. Our peace. Notre joie. Our joy. Nos bénédictions. Our blessings. Volées hier. Stolen.
back healing. Nous récupérons la prospérité spirituelle. We regain spiritual prosperity. Et même tout ce dont tu as besoin. Anything else that you may need. As-tu compris que Jésus est là? Have you understood that Jesus is there? Il veut te donner tout ce que le diable t'a volé de ta naissance. He wants to give you everything that the devil has stolen from your birth. Il est venu te donner la vie avec abondance. He came to give you life abundantly. Amen, amen. Amen. Bien aimé, c'est ça que j'ai écrit pour faire comprendre à ce monde. My beloved, this is what I wrote to make the world understand. Que le champion des champions dans votre vie. The champion of all champions in your life. Amen, amen. Amen. Tu ne m'attirerais de rien. Amen. Not lack of anything. En vérité, je vous l'ai dit, que celui qui entre par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs, c'est un voleur. Il ne va jamais entrer par la porte c'est Jésus. In truth, I tell you that whoever shall enter, whoever shall enter by the door of the farm, but not and but does not go anywhere and still, he will never enter by the door, and the door that is Jesus Christ. Amen, amen. Amen. La porte de nos corps, the door of our hearts, c'est Jésus Christ. Amen, Jesus Christ. Mais l'ennemi Satan, quand il vient, but enemy Satan, when he comes, amen, amen. Amen. C'est pour détruire cette porte. It's to destroy that door. Mais comme Jésus est le propriétaire de cette porte, the garden of that door. Jamais il n'aura pas la puissance d'entrer par cette porte. He'll never have the power to enter through that door. Il va se trouver devant une armée spirituelle, une armée éternelle. They will find themselves in front of a spiritual army. Une armée céleste. They will find themselves in front of an eternal army. Amen, amen. Amen. Les diables ne vont jamais passer par Jésus. The devil will never go past Jesus. Jésus, Satan va toujours essayer de passer par la fenêtre. Satan will always try to enter by the window. Ou bien par un trou. Or by a hole. Parce qu'il sait que le Seigneur ne laissera pas passer par la porte. Because he knows that the Lord will not let them, will not let him enter by the door. Amen, amen. Amen. Satan, quand il entre dans ta maison, Satan, when he enters your house, il va chercher un trou ou bien une fenêtre quelconque. He looks for a hole. Pour somewhere. Pour entrer afin de faire ses œuvres. To enter to do things in your house. Amen, amen. Amen. Il va trouver la porte barricadée. You'll find the door closed. Amen, amen. Amen. Mais il va chercher pour entrer dans la fenêtre. Ou peut-être que tu as oublié de fermer. Where you may have forgotten to close. Amen, amen. Amen. Il fait chaud. It's very warm. Tu as fermé la porte. Close the door. Mais tu as laissé la fenêtre. Pour que l'air puisse passer. So that you can get some air. Mais quand il dit ça, il va aller par la porte. He comes to the door. Il va trouver que la porte est fortement barricadée. That the door is completely locked. Il va tourner. He turns. La maison. He turns around the house. Comme dans le village, pour voir tout aussi la maison comme c'est un jour s'il y a ouvert un trou. As if you've seen that in our village, trying to usually see if there's any holes on the. Puisque des fois il va se forcer comme il ne sait pas pour entrer. Because he may just force himself like a snake. Non, tout est fermé. But he sees that everyone is locked. Il va checker là la fenêtre. He looks at the window. À moitié fermé. Cracks open. Amen, amen. Amen. Là il y a un petit trou. Where there's a little. C'est pas là que Satan va se forcer pour entrer dans la maison. That's where Satan will go into the house. Je vais dire quoi? What am I saying? Il ne faut pas laisser un péché chéri. You should not even let a sin just happen. Quand vous laissez un péché chéri, when you just allow sins to happen, tous les péchés que tu as abandonné, every sin you have dropped, mais laisse un petit péché là qui tient bien. But you have a little sin that you allow. Comme tu aimes bien le mensonge, because you like to lie, tu ne veux pas lâcher ces mensonges là. You don't want to let go of your life. Amen, amen. C'est pas ce mensonge que tu as de l'argent. It's from this life that you get money. C'est pas ce mensonge que tu es vraiment peut-être que tu gagnes quelque chose quelque part. It's from this life that you win something from someone. Amen, amen. Amen. Le flatteur vit au dépens de celui qui le trompe. A
Amen. The people who flatter only live according to those who listen to them. Amen. 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 Tu as laissé les trous de flatterie. You left the hole of. Tu as laissé les trous de mensonge. You left the hole of lies. Tu as laissé les trous de la cupidité. You left the hole of cupidity. Tu as abandonné tous les péchés. You left all the sins. Mais la cupidité. But impurity. Et les autres là, tu as laissé. And all those other things you have left. C'est les trous par lesquels l'ennemi s'aggravate. It's the hole where the enemy Satan is entering. Pour faire ses œuvres dans ta vie. To do what he needs to do in your life. Amen. 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 Nous continuons. Amen. Amen. Mais si nous les laissons faire à l'ennemi Satan, but if we allow the enemy Satan to do, il va essayer d'entrer comme un voleur par un trou ou bien par une fenêtre. He will try to enter like a thief by the window. Il monte dans la bergerie par ailleurs. Il monte dans la bergerie par ailleurs. He enters in the farm in another way. Ceci est très important pour nous. This is very important for us. Cela nous montre comment le diable veut nous voler dans la bergerie. This shows how the devil wants to steal in our farm. Il n'entre pas par la porte. He doesn't enter from the door. Qui est la porte? Who's the door? C'est Jésus. It's Jesus. Mais Jésus a un autre nom. But Jesus has another name. Jésus est la parole. Jesus is the word. C'est important de comprendre comment le diable vient nous voler ce que Jésus nous donne. It's very important to understand how the devil comes to steal what Jesus has given us. Jésus nous donne tout par la parole. Jesus gives us everything by the word. Par sa parole. By his words. Et le diable essaie de nous enlever la parole pour nous priver de tout. And the devil tries to remove the word to deprive us from everything. C'est ça qu'il a fait avec Adam et Ève. That's what he did with Adam and Eve. Dieu avait donné sa parole à Adam et Ève. God gave his word to Adam and Eve. Il leur avait dit. He told them. Si tu prends du fruit de cet arbre, tu vas mourir. If you take fruit from this tree, you will die. C'est la parole de Dieu. It's the word of God. Le diable est venu. The devil came. Il a dit. He said. Mais est-ce que Dieu a bien dit? But has God said it well? Et ensuite, and then, le diable a dit. The devil said. Mais Dieu n'a pas dit. But God never said. Donc il a enlevé la parole. But he has removed the il word. Il est entré par la fenêtre. He has entered by the window. Il n'a pas passé par la parole. He hasn't gone through the word. C'est-à-dire par la porte. Which means by the door. Jésus a dit qu'il t'a donné la vie éternelle. Jesus said he will give you eternal life. La guérison. Healing. La délivrance. Deliverance. De puissance des ténèbres. Of her power from the dark side. Qu'il pourvoyait à tous vos besoins. That he will provide all your needs. Qu'il t'a guéri. He will heal you. Complètement de toute maladie. Completely from all illnesses. De toute infirmité et de tout lien. From all infirmity and any curse. Jésus te donne d'abord par sa parole. Jesus gives that to you first by his word. Et par l'onction de son esprit. And by the power of his spirit. Tu peux comprendre sa parole. You can understand his word. Et entrer par la porte. And enter by the door. Amen. 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 Regardez au verset 3 du chapitre 10, il dit ceci. Celui qui entre par la porte, c'est le berger, le brebis. Les portiers l'ouvrent et les brebis entendent sa voix. The one who enters by the door is the shepherd of his breed, and the portier will open for his breed to enter by his voice. Il appelle par leur nom les brebis. He calls them by their name. Qui lui appartient. Who belongs to him. Il les conduit dehors. He leads them outside. Par où sortent les brebis. That's where his breed follows them. Par la porte. By the door. Vous voyez un troupeau de brebis sortir par la fenêtre. You see a lot of sheep going out from the window. Non. Non. Ils ne sortent que par la porte. From the door. Parce que le berger travaille avec les portiers. Because the shepherd works with the door. Je crois que là. I believe that. Le portier c'est le Saint-Esprit. That the porter is the Holy Spirit. Mais le berger nous ouvre la porte. But the shepherd opens the door. Et les brebis sortent.
and the breed to come out. Il appelle chaque brebis par son nom. Every breed has their own name. Amen, amen. Amen. Jésus nous connaît. Jesus knows us. Il connaît nos noms. He knows our name. Acclamons comme son notre Dieu. Let's clap for the Lord. Jésus. Amen, amen. Amen. Il te connaît personnellement et il te dit, toi, ma petite brebis, je te regarde et je vais te donner ma vie en abondance. He knows you personally. He says, you, my breed, I look at you and I will give you eternal life abundantly. N'écoute pas les voleurs qui veulent te faire sortir par la porte. Do not listen to the thief who wants to take you out by the window. Et qui veut te faire entrer par la fenêtre. And who wants to qui veut te faire entrer par la fenêtre. He wants to let you enter by the window. Je vais te ramener toujours à ma parole. I will always bring you back to my word. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, once he took out all of his breeds, il les conduit dehors. He led them outside. Il marche devant elle. He walks in front of them. Et un bon berger est toujours devant. A good shepherd is always at the front. S'il est derrière, behind, ils dispersent les troupeaux. They all scatter. Mm-hmm. Et si le devant, les brebis les suivent. And if he's at the front, then his breed will follow him. Amen, amen. Amen. Jésus Christ. Jesus Christ. Est le bon berger. He's a good shepherd. Il est toujours derrière nous. He's always in front of us. Et nous sommes devant. And we are. Nous sommes devant. Okay, he's always behind us and we are the front. Il est en train de nous conduire. He's leading us. De nous diriger. He's directing us. Vers la bergerie. Towards. Vers la bonne porte. Towards the good door. Amen, amen. Amen. Laisse-nous diriger par Jésus. Let Jesus lead us. Laisse-nous conduire par Jésus. Let Jesus lead us. Laisse-nous diriger par le Saint-Esprit. Let the Holy Spirit guide us. Que nous puissions être toujours devant. Let us always be at the front. For to show us the door. Beaucoup de gens aujourd'hui. And other people today. Sont en train de conduire Jésus. Are trying to lead Jesus. Au lieu de Jésus puisse les conduire. Instead of Jesus leading them. Amen, amen. Amen. Comment ils sont en train de conduire Jésus? How are they leading Jesus? Amen, amen. Amen. Puisque l'église n'a pas beaucoup de membres. Because the church doesn't have a lot of members. Amen, amen. Amen. Comme ils croient que Jésus n'a pas de puissance. Jesus doesn't have the power. Il faut aller chercher ailleurs. Let's go look. Amen, amen. Amen. Là où on est, il soit devant. Instead of to be at the front. Pour Jésus le conduire. For you to follow Jesus. Et dis oh Jésus. Say oh Jesus. Laisse-moi. Leave me. Laisse-moi. Leave me. Là où tu es. Where you are. Occupe-toi des autres. Mind other people. Moi, je veux aller chercher ailleurs. I want to go elsewhere. Pour faire les plans dans mon église. Do the plans in my life. As they always call the ministry of God like the church. Oui, Jésus reste là où tu es. Jesus, stay where you are. Puisque tu es bien puissant. Because you are not powerful. Laisse-moi faire ma vie. Let me do my life. Amen, amen. Amen. Puisque moi, il est en faisant, en ayant beaucoup de membres à l'église, c'est la porte d'entrée au royaume de Dieu. Because it thinks that by having a lot of members in the church, is the door of the kingdom of God. Il causait. A big mistake. Amen, amen. Amen. On priait un jour. We prayed one day. Avec maman. With mom. Mm-hmm. Et par après, maman a eu une vision. And the mom had a vision. Pour une grande église quelconque ici à Londres. For a big church in London. Amen, amen. Amen. À ce vrai, l'église contenait plus de 3000 membres. And then the church had more than 3,000 members. Amen, amen. To mom. On a dit que l'église là que vous voyez. Uh-huh. You told her that you know that church that you see. Il y a que 15 membres qui m'ont reçu comme Seigneur et Sauveur de leur vie. There's only 15 members who are here believing Jesus as their Lord and Savior. Et qui me craignent. And who fears me. Qui ont la crainte de ma parole. Who has the fear of my words. Il y en a que 15. There's only 15. Maman, je te donne. Dis-moi. Mom, she shocked to herself. 3000. 3,000 moins 15 minus 15. Ça veut dire il y a 2000.
2985. That means it's this 2985 qui sont en members who are just there. Mais qui sont membres de cette église. You are members of the church, but they don't have a faith. Amen, amen. Amen. C'est pour nous dire bien aimé. That's to show you, my beloved. Ma kamunazane. Things of God. It's not a joke. Let God Himself. Let God Himself lead your life. Don't be looking for fame. In your own power. Don't look for wealth in your own. Power. You will go and touch things. Et tu vas mourir vite. And you will die quick. Avant l'âge. Full time. Amen, amen. Amen. Je connais beaucoup de serviteurs de Dieu. I know a lot of servants of God. Parmi eux. Amongst them. Je voulais parler d'une personne, dis non. I want to talk about one person. Personne que je connais très bien. That I know very well. Qui est mort à 45. You died at the age of 45. On l'a enterré il y a 3 ans passés. We buried him 3 years ago. À cause de beaucoup gagner. Because of winning a lot. Wanting to win a lot. Amen, amen. Amen. Même dans le monde, on dit, even in the world, they tell us. Rien ne sert à courir. Nothing, nothing is worth running. Il faut partir à et après. You should take your time. Amen, amen. Amen. Revenons à notre mouton. Les brebis vont les suivre en les regardant et en écoutant sa voix. His brebis will follow him by looking at him and listening to his voice. Nous devons écouter la voix. We have to listen to the voice. De Jésus Christ. Of Jesus Christ. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, when he took out all his brebis, il marche devant elles. He walks in front of them. Et les brebis les suivent. And the brebis follow him. Parce qu'elle connaissait sa voix et qui est sa parole. Because they know his voice and who's the words. La parole de Dieu, the word of God, c'est sa voix. It's his voice. Quand vous suivez sa parole, when you follow his, vous suivez his sa words, voix. You follow his voice. Quand vous écoutez sa parole, when you hear his words, vous écoutez sa voix. You listen to his voice. Toi, you, qui est la brebis du Seigneur, that is the breed of the Lord. Mon frère, ma soeur, my brother, my sister, tu dois connaître la voix du bon berger. You have to know the voice of the good shepherd. Quand le bon berger te dit quelque chose, when the good shepherd tells you something, il faut que tu écoutes. You have to listen. Et que tu ailles vers le bon berger. And that you go towards the good shepherd. Parce qu'il a la vie. Because he has a life abundantly. Nous allons essayer de féliciter aujourd'hui par là puisque ça continue. We are coming to sing to God because le bon berger est la vie. The good shepherd is life. Il a la vie en lui. He has a life in him. Pas à n'importe laquelle. Pas n'importe laquelle. Not any sort of life. La vie éternelle. Eternal life. Il a le pourvoyeur. Il a le pouvoir de la donner à ses brebis quand elle mange sa parole. He has the power to give it to his brebis and when they eat his word. Nous devons manger la parole de Dieu. He has to eat the word of God. Comme nous mangeons la nourriture. As we eat our food. Pour que nous puissions être rapides rassaisis. For us to be full. De l'Esprit Saint. Of the Holy Spirit. Qui est derrière la parole de Dieu. That is behind the word of God. Il a le pouvoir de donner à ses brebis quand il mange sa parole. He has the power to give it to his breed. Quand il écoute sa voix. When they hear his voice. Il a une bonne nourriture à nous donner. He has a good food to give. Et il nous conduit. And to lead us. Les bons bergers conduisent ses brebis dans des grands pâturages. The good shepherd leads his breed in a pastured grass. Il herbe bien grasse qui nourrit. A good herb and grass that feeds. C'est sa parole. It's his words. Vous voyez la parole, la vie en abondance. You see life abundantly, life abundantly. Que Jésus nous donne. That Jesus gives. Il nous la donne. Il nous la donne. He gives it to us. Mais. But. C'est pas une parole sèche. It's not a dry word. C'est une parole ouinte. It's a word
It's a holy word. Amen, amen. Amen. De son Saint-Esprit. From his Holy Spirit. Amen, amen. Amen. Acclamons le ton Dieu pour aujourd'hui. Let's clap. Maintenant, continuez à dire les mêmes. Avec tous les champions des champions étant bon berger. With the champion of all champions being the good shepherd. Si Dieu nous donne la vie pour la semaine prochaine. God gives us life for next week. Bien aimé, nous allons soutenir les quelques chapitres dans ce livre. Take some chapter from this puisque book. Si nous voulons prêcher cela, ça va nous prendre même 7 à 8 mois. Because if we want to preach the whole book, mais tous les deux nous prier notre Dieu. Let us pray in Jesus' name. Alléluia. Yahweh fongola lola babeli babikae. Yahweh fongola lola basali basonguya. Yahweh fongola lola makambwe bomanae. Yahweh fongola lola ye. Beta maboko wana makasi. Nangambwa banguna na yo ezo bomo na bakake.